Et pip! Mais je t'ai mis un roi! Mais t'as vu, je te dis, t'as vu, t'as vu! Je t'ai mis un roi! Je t'ai mis un roi! C'est pour quel? Mais t'as vu, t'as vu, t'as vu! Donne-les à Jean! Les à Jean! Hé, Mamadou! Y'a quelqu'un pour toi! Cassine, attends! Ne parlez pas! Bonjour! Y a-t-il une femme? Et un homme? Dans cette salle? Oui! Oui, merci! L'homme est brun, la femme! Oui! Et vous, vous nous avez vus tout à l'heure? On vient vous demander pour les problèmes d'argent. Est-ce possible d'avoir de l'argent sans travailler? Il y a l'héritage! Il y a l'héritage, monsieur! Peut-être que vous pouvez le tuer et il y a l'héritage! Ta mère! Comment ça? Oh, c'est une blague! Comment ça, l'héritage, là? Bonjour! 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 Maman! Et vous ne le touchez pas, hein! C'est celui que j'aime! On ne touche pas celui que j'aime! C'est moi qui l'aime! Assieds-vous! Désolée, mais c'est moi qui l'aime! Non, c'est moi qui l'aime! Assieds-vous! C'est moi qui l'aime! Assieds-vous maintenant! Je comprends pas. Il m'aime pas parce que je suis pâtissière. Très bien. Il m'aime pas parce que je suis idiote. Excusez-moi. Vous êtes idiote. Alors, en fait, votre question, c'est lequel de vous deux va épouser? Oui. Très bien. Alors, l'esprit, deux coups, non. Un coup, oui. Est-ce qu'il va épouser le pâtissier? Deux coups, donc non. Est-ce que... elle va épouser l'autre truc bidule. Non, arrêtez. Elle va épouser aucun de vous deux. Elle est nulle. Peut-être que vous allez vous remarquer. Au revoir. Moi, je pars. Le problème, c'est que j'aimerais prendre l'héritage de mes parents, mais je sais pas si c'est mon frère ou moi. L'esprit, t'es là? L'esprit, t'es là? Oui. Elle a tapé trois coups? Je sais pas ce que ça veut dire. Bonjour madame, quel est votre problème? En fait, qu'est-ce que je vais devenir quand je serai grande? Qu'est-ce qu'elle va devenir comme métier? Pâtissière. Non, mais vous êtes fou! Ok, tout est bien trié. Coupez de calé! Tu fais comme ça pour une bonne purée. Et après, tu coupes et tu décrases. Il faut toujours bien écraser. Toujours écraser. Écraser et puis, on coupe et on décale. On coupe et on décale. Comme la danse. Regardez. Ah, vous la danse. Il connaît pas la danse. Coupez, décalez. Coupez, décalez. Désolé, monsieur, décalez. Coupez, décalez. Il y a marqué la voyante. Oui, monsieur, vous voulez l'avenir de quoi? On n'est pas dans ton fourchette. Merci beaucoup de votre hospitalité, monsieur. Ah, c'est gentil, hein, joli cap. Ton fourchette. Ton fourchette, hein. On a un rendez-vous. Coupez, décalez, coupez. Merci. Ah, ils sont vraiment fiches. Je viens vous consulter à propos de mes rêves. Des fois, je rêve que je suis quelqu'un qui peut contrôler le monde entier et que tout le monde se baisse à mes pieds. En fait, ne vous inquiétez pas, ça va jamais se passer. Et des fois, je rêve que j'ai un habit de star et que je chante du hard rock sur une scène. Oui, mais en fait, pas trop. Oh. Bonjour à tous. Bonjour, bienvenue. On va la retrouver. Pourquoi on est là? Doucement, excusez-moi, bonjour. Je comprends votre situation. Vous avez perdu un parent à vous? On a perdu un bouton de ma chemise. D'accord, et vous venez ici pour voir si vous allez la retrouver? Oui. Alors, en disant qu'un bouton, c'est ça. Et dans votre vie, un bouton, c'est ça. Voilà, c'est important. Ça, c'est la vie. C'est important pour moi, c'est important pour moi. Pour ma psychologie, c'est important. Le...
situation, on va demander à machin que je n'ai pas payé depuis deux machin. Semaines. C'est qui le machin? Les esprits. Alors, l'esprit, est-ce qu'il va retrouver son bouton? Non, ça veut dire non. Ça veut dire non. La boule va essayer de retrouver. Non, il n'est pas chargé, il n'est pas chargé. Jean-Pierre, tu m'as dit que tu vas la chercher. J'ai des clients, moi, après. Viens le travail, hein. Un coup, tu fais tout le temps un coup, ça dit oui, donc tu fais tout le temps un coup. On vient vous voir aujourd'hui pour un problème. Un problème. Comme vous savez, samedi, il a une activité au pic. Et on aimerait bien savoir s'il reste de la place, quand même. Est-ce que Mathilde ou Quentin ou Octave va se décommander? Pic. P-I-C ou P-I-Q? P-I-C. Non, non, P-Y-C. Voilà, l'orthographe. Pic. On est YouTube. Eh ben, ça change tout. Voilà, ça change. On va demander à l'esprit. Un coup oui, deux coups non. Un coup oui, deux coups non. Allez, fais un coup. Un coup oui. Ah, oui. Ça veut dire qu'on va aller au pic. Qui? Et la personne qui va se décommander, c'est très important parce que... Bah, cherchez Mathilde, Marcel, Octave, Mathéo... Mais moi aussi, je veux m'inscrire, je suis même pas inscrite. Je ne peux dire que ça avec une carte. Non, donc une carte. 500 euros, 1000... C'est une blague, c'est une blague. 4. Le 4, ça veut dire quoi, 4? 4 places. Ça veut dire quoi, 4 places, c'est ça? 10 places. Vous avez perdu la boule. Vraiment, c'est pas sympa de nous faire ça. Alors, est-ce qu'il reste une place? Citoyen du pic. Le droit et les devoirs de l'enfant. Il n'y a aucune réduction. 2000, je pense. 2000. Tu veux savoir ce que tu vas avoir? Tiens. Est-ce qu'il reste une place pour moi? Elle n'est pas chargée. Bon, ok. Hey, Jean-Pierre, on fait comment pour l'argent? Mamadou, il y a un client pour toi.